presque s'arrêter là, puisque effectivement, l'introduction dit tout, c'est-à-dire que l'état de droit, c'est devenu, à peu de choses près, j'ai l'habitude de dire le remplaçant des droits de l'homme, un remplaçant pratique parce que moins orienté, moins connoté que les droits de l'homme. Les droits de l'homme, même à l'université, on sent que ça a mauvaise presse. C'est plus comme avant. C'est-à-dire la doxa a changé, le monde a changé, et la connotation extrêmement positive des droits de l'homme est entrée en mutation. Et je dis ça parce que on sent cette mutation, encore une fois, dans les journaux, dans les débats en général, mais même dans les milieux un peu confidentiels ou préservés, on sent quelque chose bouger depuis maintenant quelques années. Et effectivement, c'est un peu la thèse que j'essaie de développer, c'est à mon avis le problème essentiel d'aujourd'hui, c'est que l'état de droit est un remplaçant pratique. Un remplaçant pratique parce qu'en fait, on n'y comprend strictement rien. On n'y comprend strictement rien. Quand j'ai entamé la rédaction de ce bouquin, je ne cache pas que j'ai eu l'occasion d'en parler avec des confrères, un peu moins avec des universitaires, ça devient un peu plus délicat, et j'y reviendrai certainement. Mais en fait, vous demandez à 10 avocats ce que c'est l'état de droit, vous avez 10 réponses différentes. Parce qu'eux-mêmes n'ont aucune idée, en réalité, de ce qu'ils ont entre les mains. Absolument aucune. Pour certains, ça va être les libertés individuelles. C'est pas faux, c'est un morceau. Pour certains, ça va être le respect du droit. Quel rapport entre le droit et les libertés individuelles, ça reste à démontrer. Pour d'autres, ça représente le combat actuel entre les populistes venus de l'Est et, on va dire, les progressistes européens. Et tout ça, et je pourrais en rajouter encore 7 types de façons de voir, mais tout ça se noie sous ce lexique, sous ces 3 mots de feu qu'on appelle donc « état de droit ». Et en réalité, ce que j'ai essayé de faire avec ce bouquin, avec le totem de l'état de droit, en vérité, c'est beaucoup, mais c'est très très peu. C'était simplement de remettre de l'ordre dans une ménagerie de concepts, de mettre de l'ordre, de faire une cartographie, de voir d'où ça part et où est-ce qu'on est arrivé. Juste de définir les termes. Aussi fou que ça puisse paraître, je caricature à peine, les 250 pages de mon bouquin ne sont qu'une clarification. Mais une clarification à destination non des spécialistes, mais des gens non juristes qui s'y intéressent. Parce que là est l'autre facette de l'état de droit. On n'y comprend rien parce que c'est volontaire. On n'y comprend rien parce que c'est arrangeant. On n'y comprend rien parce que moins on définit, plus c'est pratique. Donc au fur et à mesure, on rajoute des concepts, on rajoute des notions, on rajoute des libertés, on rajoute tout un tas de choses, et on n'a plus du tout idée de ce que signifie l'état de droit. Ça, c'est la base de la réflexion qui a été la mienne, et c'est la base, à mon avis, de tous les débats aujourd'hui qu'on a sur l'état de droit. Qu'il soit question de sécurité, qu'il soit question d'Europe, qu'il soit question de liberté, qu'il soit question de protection des minorités, de questions de diversité, de questions de genre, à chaque fois on a l'état de droit et à chaque fois on n'y comprend rien. Donc, clarifions, parce que le diable se cache dans le détail. La première des choses, c'est de clarifier. C'est comme ça que, pour moi, tout doit être fait, évidemment. Je suis juriste, avocat de surcroît, non. Ça ne vous étonnera pas, mais effectivement, c'était mettre un peu la lumière là-dessus. Là, je vous ai défini en quelques lignes, en quelques mots, en fait, la porte d'arrivée, situation actuelle. On ne comprend plus rien à l'état de droit. Le problème, c'est qu'en fait, on pourrait y comprendre quelque chose. Parce que l'état de droit, ce n'est pas très compliqué. C'est en fait un glissement progressif. C'est certainement la notion, au XXe siècle, qui a le plus glissé entre ce qu'elle voulait dire à l'origine et ce qu'elle veut dire aujourd'hui. C'est l'histoire d'un glissement, c'est l'histoire d'une mutation, ni plus ni moins. C'est une histoire un peu dans l'ombre d'un concept qui est entré en métamorphose, en métamorphose progressive. Pourquoi? Premier élément. Et vous allez voir, en fait, c'est très facile, c'est pas très compliqué de comprendre quelque chose. Je fais juste une incise immédiate, mais je reste dans le thème. Quand je disais qu'on n'y comprenait rien à l'instant et que même les juristes n'y comprennent rien, le fait est que la chronologie de l'état de droit s'est perdue également. la chronologie. Elle s'est perdue en cours de route. On a oublié son histoire. Ce qui fait qu'en fait, quand on fait la chronologie de l'état de droit, on a l'impression de faire une contre-histoire de notre histoire récente, de redécouvrir des choses, c'est-à-dire de se rappeler d'où on vient il y a à peu près 100 ans et où est-ce qu'on est arrivé. Et c'est aussi une grande entreprise de clarification, c'est aussi une entreprise d'histoire. Et à l'eau, nous, aujourd'hui, on fait peu d'histoire, très peu, ou de moins en moins, ou très mal. Évidemment, ça fait mal de faire de l'histoire parce que ça simplifie, ça définit. Donc, ce que je vous propose en partie dans cette discussion, c'est en fait de faire une espèce d'histoire de ce qui est devenu notre totem, tout simplement. Une histoire récente. Donc, premier élément de clarification, l'état de droit, ce n'est pas une invention de chez nous. Ce n'est pas un concept français, ce n'est pas un concept en tant que tel qui vient, on va dire, de notre sphère juridique, de notre horizon habituel. L'état de droit pour les juristes, on va dire, qui sont passés théoriquement par une première année de droit, je dis bien théoriquement parce que même en première année de droit, malheureusement, on ne définit plus beaucoup ce qu'est l'état de droit. À l'origine de l'origine, l'état de droit vient de ce que le paysage anglo-saxon appelle le rule of law. Le rule of law qui signifie, en réalité, le règne de la loi. Mais le problème, déjà je vais le définir rapidement et ensuite on va venir vers le reste. Le problème, c'est que le rule of law est typiquement britannique, anglo-saxon dans sa manière d'être défini. Ce n'est pas, j'insiste lourdement là-dessus, le rule of law n'est pas du tout notre tradition juridique. Mais pas du tout, du tout. Ça vient d'un horizon, encore une fois, qui n'est pas le nôtre. À l'origine, je ne vais pas faire l'archéologie exacte de la chose, mais à l'origine, dans le paysage anglo-saxon, libéral, le rule of law, et c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les pays États-Unis, Grande-Bretagne, etc. Le rule of law voulait dire, avant toute chose, protection de l'individu contre l'arbitraire du pouvoir. Défense des petits contre l'État. C'est ça l'idée, typiquement libérale. C'est-à-dire mettre l'accent sur l'individu dans sa faiblesse intrinsèque face au pouvoir absolu de l'État. Ça a une certaine connotation, on le comprend immédiate, c'est-à-dire une connotation évidemment libérale, profondément libérale, une connotation spécifique liée à la question des droits individuels, le droit de chacun à, comment dire, à avoir son précaré face à au pouvoir de l'État, face à la mainmise de l'État. Et donc c'est une conception extrêmement individualiste, spécifique et libérale du pouvoir. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je ne dis pas qu'elle n'est pas juste, je dis juste qu'elle est typiquement anglo-saxonne. Le libéralisme, on va dire, je vais vite en besogne, mais a une histoire bien à part qui n'est pas la nôtre. Et je dis ça, pourquoi? Et c'est le premier élément. Pourquoi? Parce que le droit anglo-saxon, le droit américain, le droit anglais, etc., est basé fondamentalement sur la jurisprudence, c'est-à-dire le règne du juge. Le règne du juge. Je passe par une, je vais y revenir après, par une opposition binaire, mais vous allez voir, tout est dit. D'un côté, chez nous, notre tradition juridique, c'est de dire que le juge doit être la bouche de la loi, selon Montesquieu, c'est-à-dire que le juge est aux ordres du pouvoir législatif, il n'est que l'arbitre à la limite entre les pouvoirs, et rien de plus, il n'est que la bouche de la loi. Sous l'égide de l'état de droit à l'anglo-saxonne, le juge est tout. C'est lui qui donne le là de la société. C'est lui qui fabrique la règle qui s'applique tous les jours. C'est le règne de la jurisprudence, c'est-à-dire du cas d'espèce. Le cas d'espèce. Vous voyez, en gros, je vais vite en besogne. Je vais vraiment vite en besogne, hein, mais pour bien fixer les choses, un bon juriste américain, c'est un type qui étudie une somme de jurisprudence qui donne naissance à son droit, d'accord, dans la tradition classique, on va dire, de chez eux. Chez nous, avant toute chose, le droit, même public, est l'émanation de la puissance de l'État. Nous sommes des administrativistes, c'est-à-dire que pour nous, la loi passe par le règne du Parlement, d'accord, qui en réalité, dans notre conception à nous, dit quelque chose de la hiérarchie qui s'applique. Le gouvernement, le Parlement, etc., etc. Donc, le rôle fondamental du juge, dans le concept britannique de l'état de droit, n'a pas du tout le même sens que le juge chez nous. Premier élément. Je dis ça parce que j'anticipe un peu, mais je prends volontairement un élément d'actualité pour qu'on fixe les idées. Quand on entend parler aujourd'hui de gouvernement des juges, qui était l'un des débats de l'élection présidentielle, un peu tous azimuts, Eric Zemmour en a parlé, Marine Le Pen en a parlé, et d'autres évidemment, mais de cette question du gouvernement des juges, en critiquant à la fois l'Union européenne, les juges français, les juges qui peuvent tout, et les gouvernements qui ne peuvent plus rien. Cette idée du gouvernement des juges, elle est profondément liée à une inféodation progressive du rôle du juge dans la tradition anglo-saxonne. C'est déjà un élément qui vient de chez eux, qui ne vient pas du tout de chez nous. D'accord, premier élément. Donc, je dis ça parce qu'encore une fois, historiquement, la question du rule of law, donc de l'état de droit dans son origine, ne vient pas de chez nous. Premier élément. Et ça, c'est un horizon qu'il faut garder parce qu'en fait, on l'entend partout, mais sans nous rendre compte qu'on joue que nous sommes en réalité aujourd'hui les derniers colonisés d'un système britannique qui a imposé l'état de droit à l'international sur une base qui n'est profondément pas la nôtre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui n'est... Je fais un saut de puce historique, ou plutôt un pas de géant, d'ailleurs, saut de puce est pour le coup faux. Je fais un pas de géant. Venons-en désormais à ce que nous appelons véritablement, nous, en Europe, état de droit. Finalement, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on a inventé ce mot? Pourquoi est-ce que cette formule magique a débarqué? Quand? Pourquoi? Qui l'a créé? Dans quelles conditions? Là, on change de sphère culturelle et vous allez voir qu'on change complètement de définition. Mais alors quand je dis complètement, c'est une autre histoire. Fin 19e siècle, fin 19e, l'Allemagne moderne est en formation complète. L'État allemand est en voie de formalisation. Le problème, vous voyez, on change de pays, on change de territoire, on change d'époque. Le rule of law britannique, on est globalement au XVIIe siècle, là on est fin XIXe. Donc, absolument rien à voir. L'Allemagne se conçoit dans un rapport à son droit, parce que l'Allemagne, comme vous le savez, pays fédéral par excellence, a besoin d'une unité qui passe notamment par une structure juridique, qui va devenir la fameuse question du Staat, l'État à l'allemande. C'est-à-dire l'État central puissant, d'accord, qui fédère l'ensemble sous le joug de l'État hiérarchique. Et dans cet univers particulier, typiquement allemand, on va discuter de comment formaliser ce qu'on appelle l'État. Il faut trouver une définition à l'État. Il faut définir ce que c'est. Il faut imposer le droit de l'État. C'est simple, mais les juristes vont s'atteler à cette définition-là, qui est une définition comme une autre. Donc il y a un débat entre plusieurs juristes, dont, je vais y venir après, un Autrichien qui est le pape, on va dire, l'empereur du droit public européen du XXe siècle, Hans Kelsen, que tout bon juriste de première année encore doit, normalement, si l'université fait son travail, devrait avoir voisiné avec quelque temps. Hans Kelsen qui va conceptualiser le rapport intrinsèque entre droit et État. Plusieurs juristes bossent ensemble, hein. Il n'est pas le premier non plus. Hein. Il y a un de mes préférés, ben, ça c'est mon astre personnel, qui s'appelle Georg Jelinek et qui vient juste avant Hans Kelsen. C'est toute une tradition qui va s'instaurer à l'époque et qui va fondamentalement travailler cette relation entre droit et État. Et là, vous allez voir, on arrive à une définition de l'état de droit qui n'a rien à voir avec la question du juge, la question des droits individuels, la question de tout ça, qui est anglo-saxonne. Qu'est-ce que disent les Allemands? Kelsen va être le continuateur et le modèle emblématique de cette définition réelle de ce qu'on appelle l'état de droit, qui est notre définition à l'européenne. Kelsen part d'un postulat très simple. Kelsen part du postulat que l'État, sur le fond, n'agit que par des règles. Je prends un exemple très simple. Demain, vous prenez votre voiture, vous avez une contravention. Sur votre pare-brise, vous avez une contravention, je parle en 2022. Hein, le titre que vous avez sur votre voiture, le titre que vous devez régler, l'amende que vous devez payer, a été établi en fonction d'un article. D'accord ? Tel code, etc., qui trouve à s'appliquer. L'agent de police qui vous a verbalisé ne peut pas le faire en fonction de sa propre volonté. Il le fait sur ce qu'on appelle, tout bon juriste appelle ça, sur le fondement d'un texte. Donc Kelsen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va raisonner comme un pur philosophe formaliste. Il va dire, en réalité, l'État est une personne morale dont la volonté ne passe que par des règles. Ne passe que par des règles. Ce qui veut dire que Jelinek puis Kelsen vont dire la chose suivante. En fait, l'État n'est que des règles, donc que du droit. Ce qui veut dire que l'État n'est que du droit et le droit n'est que État. Ce qui veut dire que État de droit, c'est le fait que l'État et le droit se confondent. L'État n'est pas l'arbitraire, l'État n'est pas le fait du prince, l'État existe parce qu'il se confond avec les règles qui, quelque part, le façonnent et lui donnent son identité. Sans droit, pas d'État, et pas d'État sans droit. C'est ce qu'on appelle l'État de droit. L'État est une gigantesque machine qui produit des règles, tout simplement. Et là où Kelsen est le phare et le véritable... Voilà, on ne peut pas comment dire, travailler l'État de droit sans lui. Kelsen va conceptualiser ça sous la forme de ce qu'on appelle la pyramide des normes, qu'on retrouve parfois même dans les journaux, je veux dire, courants. Ça arrive parfois lorsque les journalistes font bien leur boulot, ils le rappellent de temps à autre. Cette fameuse pyramide des normes, c'est-à-dire que l'État est une machine avec une structure et une hiérarchie, dont la règle suprême est la Constitution, sous laquelle se trouve la loi, votée par les députés, sous laquelle se trouvent les règles de droit plus ordinaires, etc. Donc on a une pyramide de bas en haut, d'accord, ou de haut en bas devrais-je dire, qui va de la règle suprême, la Constitution, qui est l'instrument fondamental de la souveraineté, jusqu'aux règles ordinaires, c'est-à-dire la petite règle entre guillemets ordinaire qui permet à un agent de police de vous verbaliser lorsque vous avez oublié, vous avez occulté de régler votre horodateur. C'est aussi simple que ça. C'est une structure purement formelle. C'est un assemblage de règles, c'est une équation magique. C'est ça l'État de droit. C'est ce que les Allemands vont appeler le Rechtsstaat qui signifie littéralement État de droit. Et donc vous voyez qu'on a, à l'issue de ce prologue très rapide, on a deux définitions de l'État de droit quasi antagonistes, en tout cas qui n'ont pas grand-chose à voir l'une de l'autre. On a d'un côté un monde anglo-saxon qui nous dit l'État de droit, c'est la défense des libertés individuelles, l'État de droit, c'est la promotion de l'individu face à l'État, l'État de droit, c'est la volonté d'inscrire l'individu dans sa capacité de résistance face à l'oppression potentielle de la machine étatique, et de l'autre, l'État de droit, c'est une machine administrative qui produit des règles. Qui produit des règles structurées et qui produit des règles hiérarchiques et pyramidales. Le rapport entre les deux, à l'origine, ne va pas de soi. Donc, lorsqu'on définit État de droit, vous voyez qu'on est déjà au cœur du problème d'aujourd'hui. De quoi on parle? De quoi on parle? Lorsqu'on est en État de droit aujourd'hui, en parlant... Je prends un exemple parmi tant d'autres, de lutte contre l'islamisme, d'instauration de périmètres de sécurité pour fouiller des voitures. Lorsqu'on parle d'état de droit pour mettre à l'index les peuples européens, certains États comme la Hongrie et la Pologne, qui aujourd'hui refusent la suprématie du droit européen. Vous voyez que toutes ces sphères n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et pour quelle raison? C'est qu'à chaque fois, on ne parle pas du même État de droit. Et ce sont ces deux sphères initiales, ces deux définitions, qui vont petit à petit cohabiter, quitte à ce qu'elles se confondent ou à ce qu'elles se, comment dire, à ce qu'elle se remplace sans qu'on sache exactement comment tout ça s'articule. Et donc le premier élément, c'est de faire, pour moi, cette définition initiale, c'est-à-dire bien comprendre que notre tradition européenne de l'état de droit n'a strictement rien à voir avec la tradition anglo-saxonne pour ces deux définitions que je viens de donner. Premier élément. Là, on se situe, grosso modo, d'accord, dans un monde européen pré-Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, avant la Seconde Guerre mondiale, les quelques juristes qui parlent d'état de droit n'en parlent en Europe que sous l'égide de cette définition d'une hiérarchie des normes. Kelsen n'en a strictement rien à faire de la définition anglo-saxonne, tant et si bien que lorsqu'on fait vraiment l'archéologie de l'état de droit en Europe, encore une fois, dans les années 30, 40, 50, on parle en fait principalement de la version allemande. L'état de droit, c'est ça, c'est une machine pyramidale qui produit des règles. Alors pourquoi est-ce que tout ça va changer? Évidemment, si les définitions étaient faites pour être appliquées et tangibles, ça se saurait. Comme d'habitude, tout est modifié et on perd très souvent la nature des choses. Ce qui va se produire est très simple, c'est que, grosso modo, l'Allemagne nazie passe par là. L'Allemagne nazie passe par là, pourquoi? Parce que formellement, l'État nazi reste, dans sa structure organique, un État de droit. Et c'est le problème. C'est que l'État, évidemment, l'État de droit, plus du tout au sens d'aujourd'hui, hein, on s'entend, hein, mais formellement, le régime nazi n'abolit absolument pas la machine étatique conçue auparavant. Il y a des règles qui s'appliquent, il y a une perversion des règles, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire-là, ce qui signifie que on peut modifier de l'intérieur un régime comme l'état de droit. Donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte de quoi? Une chose très simple, c'est qu'en fait, un état de droit peut être corrompu. Il n'a pas d'antidote pour lutter contre ce qui peut venir le contaminer. En l'occurrence, le poison du nazisme. Ce qui signifie que là, le raisonnement qu'on va adopter petit à petit au sortir de la guerre, c'est de dire, bon, l'état de droit n'a pas résisté, donc il faut mettre en place des garde-fous qui vont s'appeler le juge. On va mettre des contrôles juridictionnels à tous les étages de la fusée, à tous les étages de la pyramide, pour s'assurer que les règles sont conformes les unes par rapport aux autres, cette pyramide dont je parlais tout à l'heure, kelsenienne, et pour s'assurer qu'un agent, quel qu'il soit, ne puisse pas corrompre les dites règles. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas modifier ce que ces règles disent les unes par rapport aux autres. Je prends un exemple très simple pour fixer les idées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le régime nazi, des juges ont commencé à expliquer que le droit allemand permettait d'interpréter les contrats de vente, d'accord, un contrat de vente quel qu'il soit, en considérant que, étant donné que le juif n'est pas une personne comme une autre, il n'a pas les mêmes facultés pour vendre ou pour acheter tel ou tel produit qu'un autre agent. Ce qui veut dire que la jurisprudence allemande s'est levée dans les plis de l'état de droit pour interdire la vente de certains biens, de certains matériaux, etc., à des juifs. Ce qui veut dire que la jurisprudence a été contaminée par le nazisme. Ce qui veut dire que le raisonnement, qui est parfaitement légitime, c'est de dire en 1945, si ces règles n'ont pas été respectées, il faut mettre en place des garde-fous. C'est pour ça qu'on met des juges à tous les étages, pour s'assurer que la Constitution soit respectée, que la loi soit respectée, que les règles de droit, quelles qu'elles soient respectées, et que donc il n'y ait pas un trou dans la bécane. Qu'on ne puisse pas appliquer comme on le souhaite un droit par le biais d'une jurisprudence fallacieuse. En gros, que les droits s'appliquent de bas en haut et de haut en bas. C'est cette opération qui fait, et on le comprend très bien, j'espère avoir été clair, qu'il y a une contamination, et vous allez voir, c'est progressif, hein, une contamination du modèle britannique, c'est-à-dire du pouvoir du juge, venu de la tradition anglo-saxonne, à l'intérieur du système pyramidal à l'allemande et à l'européenne. Nous étions les héritiers d'un modèle formaliste, nous allons devenir petit à petit les disciples d'un modèle jurisprudentiel venu du droit anglo-saxon. Et j'ai envie de dire, à partir de là, la grande histoire commence. Parce qu'à partir de là, on ne va plus progressivement savoir comment détricoter le maillage entre d'un côté pouvoir du juge et de l'autre côté hiérarchie pyramidale. Tout ce que je raconte a l'air peut-être théorique, mais vous allez voir, on va arriver à... J'anticipe un peu, je fais un peu de teasing comme on dit aujourd'hui, mais on arrive dans le nœud du problème, c'est évidemment l'Union européenne qui est le diable en chef, puisque l'Union européenne est fondée sur les deux versions qui s'interpénètrent si bien qu'on ne sait plus du tout de quoi on parle, et c'est ce qui fait à la fois sa recette miracle, sa magie, sa religion, et en même temps son caractère diabolique. Donc je reviens à ma petite chronologie. On est dans les années, je vais vite en besogne, 46, 47, 48, au sortir de la guerre. Ce qui se passe à partir des années fin 40, début 50, c'est qu'on met en place, petit à petit, on invente des outils de protection des droits de l'homme. Des outils de protection des droits de l'homme qui passent par notamment une notion absolument fondamentale qui s'appelle la dignité humaine. Évidemment, par réaction avec la barbarie nazie. Dignité humaine qui va devenir le socle de ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Droits fondamentaux et libertés individuelles. Les droits fondamentaux vont devenir le socle fondamental, d'où la fondamentalité de ces droits-là, comme on dit en droit des libertés publiques. Donc ces droits fondamentaux qui vont essaimer le paysage juridique sous l'égide initiale, sous le sceau de la dignité humaine. Ce qui fait que, progressivement, on va instiller des valeurs tirées des droits de l'homme au sens très très large, à l'intérieur de ce que signifie l'état de droit. Ces valeurs qui, la plupart du temps, sont liées aux droits individuels. Ça peut être évidemment la dignité humaine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais ça va devenir également, par la suite, les droits de l'homme au sens large, c'est-à-dire, ça peut être la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, la liberté de circulation, etc., peu importe. Toutes les libertés qui, petit à petit, sont, comment dire, renforcées par la jurisprudence qui s'étend. Donc, liberté, encore une fois, circulation, aller et venir, liberté, évidemment, l'IVG par la suite, liberté, aujourd'hui on discute de la GPA, les dernières libertés en date, pour prendre, je vais vite, hein, mais pour faire cette espèce de long schéma ou de long segment, les dernières libertés aujourd'hui qui font partie de cette base de données, on va dire, d'état de droit, la dernière liberté dont on parle beaucoup, c'est la liberté de changer de sexe. La liberté de changer de sexe a été sacralisée par la Cour européenne des droits de l'homme, sous l'égide de l'état de droit. Aujourd'hui, un État hostile à une politique, on va dire, diversitaire et multiculturelle, c'est-à-dire Hongrie et Pologne, sont donc des mauvais états de droit, puisqu'ils sont contraires au dogme des droits individuels poussés à leur extrême. Je précise que, quand je dis ça, je veux dire, le sous-texte politique est pour moi même pas très important. Ce qui est fondamental, c'est le sous-texte, c'est le texte juridique, c'est-à-dire l'évolution purement jurisprudentielle et juridique de la chose. Je suis persuadé qu'un progressiste des années 40, qui était favorable à une version très anglo-saxonne de l'état de droit, n'aurait pas tellement imaginé que 80 ans plus tard, la dignité humaine veut dire la liberté de changer de sexe. Hein. On rêve, hein, je veux dire, et c'était franchement des progressistes. Hein, je ne parle pas d'un obscur réactionnaire vaguement hostile à un régime policier. Je parle vraiment d'un progressiste éclairé et sympathique dans la doctrine kantienne des années 46 à 50. Je dis ça parce qu'en fait, c'est cette mutation idéologique qui va complètement modifier petit à petit ce qu'on appelle l'état de droit. Vous voyez que pour Kelsen, la question des droits individuels n'existait pas directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour un vrai, j'allais dire un spécialiste authentique de l'état de droit à l'européenne, façon Kelsen, le seul fait d'avoir une pyramide des normes suffit à assurer la défense des libertés. Parce qu'en fait, la pyramide existe et elle doit tenir debout. En revanche, pour un spécialiste ou pour un juriste bercé dans le monde anglo-saxon, ça ne suffit pas, il faut du juge partout. Donc, en réalité, qu'est-ce que va devenir le droit à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui? Ça va devenir petit à petit la victoire absolue du juge. Du juge partout et tout le temps. Dès qu'il y a du droit, il y a du juge. Dès qu'il y a une revendication, il y a un droit, il y a du juge. Dès qu'il y a une volonté individuelle, il y a une revendication, il y a un droit, il y a un juge. Donc, en fait, c'est l'extension progressive du domaine du juge à tous les niveaux, pour une raison simple, c'est que d'une certaine manière, cette pyramide étant désormais fondée sur le pouvoir du juge, s'il n'y a pas de juge, il n'y a plus d'état de droit. et les deux s'interpénètrent petit à petit. Alors, quelques exemples très simples qui sont les emblèmes, on va dire ça comme ça, à la fois historique et actuel. Je vais taper un peu large pour qu'on soit précis là-dedans. Exemple typique de restons en France 2 secondes, exemple typique de modification substantielle de ce qu'est l'état de droit. J'aime bien rappeler cette histoire que Philippe de Villiers raconte de temps en temps, à juste ce titre, il n'est pas le seul, mais il a parfaitement raison de le rappeler. Globalement, la France, jusqu'à la mort du général de Gaulle, est un État qui fonctionne, je dis bien globalement, hein, sur un modèle assez kelsénien de l'état de droit. Pourquoi? Parce que De Gaulle ne voulait pas, à l'origine, en 1958, hein, lors de la naissance de la Ve République, De Gaulle ne voulait pas de conseil constitutionnel. Récemment, j'ai eu l'occasion d'en parler avec une philosophe qui avait envie de me foutre par la fenêtre en me disant « c'est n'importe quoi, c'est du délire, vous êtes l'obscur défenseur d'un régime policier ». Quelque chose comme ça, je pense, devait être un nazi en puissance pour elle. Juste en rappelant cette donnée essentielle qui est qu'en 1958, je dis ça, c'est pas de la provoque, en fait, désormais, il est attesté, tout le monde le sait, je veux dire, il suffit de farfouiller un peu, et je le raconte dans mon livre, De Gaulle ne voulait pas de l'état de droit, il ne voulait pas de la toute-puissance du juge. On le sait parce qu'en fait, De Gaulle connaissait parfaitement ces thèmes, il les avait étudiés via certains jurys spécialisés, et il avait parfaitement compris que si le Conseil constitutionnel prenait tous les pouvoirs, il allait finir par ressembler à la Cour suprême à l'américaine. C'est-à-dire qu'on allait avoir un régime politique qui serait gouverné par l'empire des juges. Donc De Gaulle, il dit quoi? Il bataille, au début, il n'en veut pas du Conseil constitutionnel, il va finalement se ranger aux côtés de, notamment de Michel Debré, il n'est pas le seul, hein, mais d'autres juristes, mais en disant, oui, je veux bien un Conseil constitutionnel, mais à une condition qu'il a continué à appliquer sous son régime, sous sa période, pardon, sous ses deux mandats, enfin le deuxième, évidemment, plus bref, il va dire « Ok, mais il y a une condition, c'est que le gardien de la Constitution, c'est moi. C'est pas le Conseil constitutionnel, c'est le président de la République. » Ce qui veut dire qu'il y a un équilibre entre le juge constitutionnel et le président élu. Pour une raison qui nous ramène à l'intitulé de la conférence de ce soir, parce que le président a une fonction de légitimité que les juges n'ont pas. Le président est choisi, il est élu, il n'est pas nommé. Donc De Gaulle dit, l'élément central, l'onction populaire, fait du président de la République le gardien des institutions. Pas le Conseil constitutionnel et pas les juges. Ce qui ne veut pas dire qu'il va totalement s'asseoir sous l'empire du... Enfin, il ne va pas mettre de côté le Conseil. Mais, et c'est cette histoire que rapporte régulièrement Philippe de Villiers, il n'est pas le seul, encore une fois, mais quand même, ce qui fait que lorsque, à 2-3 reprises, notamment, et l'épisode est relativement connu, notamment lorsque De Gaulle décide de soumettre l'élection du président de la République au suffrage universel direct, en 1965, De Gaulle le fait en interprétant la Constitution comme lui entend l'interpréter. On sait désormais que le Conseil constitutionnel considère, à l'époque, que De Gaulle n'a pas le droit de demander au peuple, il n'a pas le droit, selon le Conseil constitutionnel, de demander au peuple comment dire, de soumettre la question directement par référendum. Je passe les détails constitutionnels exacts entre les différents articles employés, mais en gros, De Gaulle dit, l'article 11, c'est moi qui ai le droit de l'employer, et le Conseil constitutionnel dit, non, non, parce que l'article 11 de la Constitution ne permet pas théoriquement de soumettre ce genre de questions à l'aval du peuple. Et De Gaulle dit, j'en ai rien à cirer, c'est moi qui interprète parce que je suis gardien de la Constitution. Et ce qu'on sait depuis 2-3 ans, c'est que le Conseil constitutionnel a envoyé, a adressé un avis au général de Gaulle en disant, t'as pas le droit de faire ça. Et de Gaulle a répondu, j'en ai rien à cirer. C'est moi qui interprète la Constitution, je l'applique quand même. Donc, ce qui veut dire, et c'est ça le résultat, c'est que dans les années 60, le combat existe déjà, mais De Gaulle a conscience que le chef de l'exécutif élu n'a pas à se faire voler la vedette et les clés des institutions par le juge constitutionnel. Il est au-dessus du juge, qu'on le veuille ou non. Et c'est ce débat-là qui va hérisser nombre de juristes à l'époque, hein, qui essayent par des voies diverses et variées à contrecarrer le rôle du président de la République, Et De Gaulle tient bon. Et De Gaulle tient bon jusqu'à dire, par ce fameux triptyque qui est relaté notamment par Jean Foyer à l'époque, ministre général de Gaulle, quand il dit qu'il refuse de ratifier la Convention européenne des droits de l'homme, il refuse de la ratifier parce qu'il dit qu'il y a d'abord la France, ensuite l'État, après le droit. Ce qui veut dire qu'il y a d'abord l'intérêt national et à la fin du fin, la question juridique. Donc ça veut dire quoi? La légitimité d'abord, la légalité ensuite. La légitimité d'abord, la légalité ensuite. Ça, c'est la France des années 60. Ça paraît très très loin désormais, mais c'était il y a quand même pas si loin. C'est une petite incise que je fais parce que souvent on me dit, mais si tu es si intelligent, quelle solution as-tu? J'ai dit, mais les solutions sont toutes trouvées, il suffit de revenir 50 ans en arrière. C'est pas si compliqué, il n'y a rien à inventer. Il faut juste qu'on redevienne la France. C'est pas très compliqué. Quand j'entends souvent actuellement, il faut que la France reste la France, oui, c'est vrai, même juridiquement, ce serait une excellente solution. Bref, ce qui va se passer, c'est que le libéralisme advenant, et je n'ai pas le temps de faire toute l'histoire, les années 70 voient la victoire évidemment de l'antigaullisme par excellence, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing, qui va en l'espace de quelques années flinguer littéralement l'héritage constitutionnel du gaullisme, par petites touches. Je ne vais pas donner tous les exemples, mais évidemment, il va élargir la saisine du Conseil constitutionnel, élargir sa saisine, ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel devient la pierre angulaire des institutions et l'interprète de la Constitution, et surtout, et ça je le raconte dans le bouquin parce que c'est très frappant, c'est le premier à aller au Conseil constitutionnel et à reconnaître la notion d'état de droit. Il va s'y rendre et il va dire, Giscard va dire, c'est grâce à l'ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel, grâce au pouvoir renforcé des juges, grâce au fait que la France est dans l'intégration européenne, ça va être le dernier temps de notre discussion tout à l'heure, il va dire, ça y est, la France est un état de droit. C'est le premier président à employer l'expression. De Gaulle ne parlait pas d'état de droit. Georges Pompidou ne parlait pas d'état de droit. Ce n'était pas leur lexique, ce n'était pas leur tradition, parce qu'ils savaient très bien à quoi ils avaient affaire. Le seul et unique et premier président à en parler, c'est Giscard. Président libéral, je veux dire européiste par excellence, qui en réalité épouse un concept, comme je l'ai dit, qui est à la jointure entre tradition européenne, tradition anglo-saxonne, et surtout, qui va devenir la religion de l'Union européenne. Donc voilà, premier élément que je veux donner, qui est typiquement français, c'est cette chose-là qui fait que les années 70 sont le grand basculement. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, vous avez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les grands arrêts de la jurisprudence que tous les juristes doivent apprendre, même si on ne comprend jamais le sous-texte, les grands arrêts des années 70 sur la question de l'IVG notamment, sont les grands arrêts, là c'est la Cour de cassation, mais ce sont l'époque des grandes décisions jurisprudentielles qui vont faire de la Cour de cassation, du Conseil d'État et surtout du Conseil constitutionnel, les juges majeurs du paysage français qui vont petit à petit prendre le pouvoir, littéralement. C'est cette histoire-là. Mais le troisième élément, et je me rends compte que le temps file, donc je vais essayer de résumer au maximum, troisième élément, on va arriver dans le véritable cœur du réacteur, c'est-à-dire enfin, l'actualité en diable, sous tous les angles, quand je dis en diable, t'as dessein, n'est-ce pas? Évidemment, l'Union européenne, l'Europe. Le fait est, et là c'est intéressant, c'est que, je voudrais préciser, devant cette assemblée, je peux me permettre de le faire, avec tranquillité et facilité, je ne suis pas venu au souverainisme par une idée politique. Je ne suis pas venu au souverainisme, personnellement, souverainisme juridique, on va dire, par un sous-texte politique. J'y suis allé par le droit. Parce qu'en fait, pour moi, tout juriste ne peut être que souverainiste. Sinon, il n'est pas juriste. Je m'explique, et c'est là où l'état de droit a tout à voir. Quand j'étais en droit, je veux dire, j'ai fait ma thèse, j'ai quand même traîné mes guêtres, et j'enseigne à la fac depuis une douzaine d'années maintenant. Je veux dire, j'ai passé 3 ans avec une sorte d'interrogation personnelle, c'est que j'apprenais un cours de vassalisation. L'apprentissage du droit communautaire est un apprentissage de vassalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend petit à petit que, de façon un peu presque logique, que la France est entrée dans une période d'intégration européenne et que donc, que vous fassiez du droit administratif, du droit pénal, du droit civil, de ce que vous voulez, les règles européennes sont supérieures aux règles françaises. Donc quand vous êtes en deuxième année de droit, en troisième année de droit, en quatrième année de droit, et vous poursuivez, vous apprenez un manuel de vassalisation sans vous en rendre compte. Parce qu'en fait, on vous dit, ah mais non, de toute façon, la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme. La France est entrée dans l'intégration européenne. La France a accepté la suprématie européenne, notamment des traités européens. Et donc, petit à petit, vous apprenez implicitement, et je vais venir pourquoi je parle de ça, vous apprenez implicitement une sorte de pyramide kelsénienne devenue folle. Puisque c'est la pyramide de Kelsen, mais au sommet de laquelle il n'y a plus la Constitution, mais les traités européens. Ce qui est le contraire d'un cours de théorie du droit ou de droit constitue de première année, où vous apprenez que rien n'est au-dessus de la Constitution. Donc quand vous êtes un étudiant, je l'ai été de troisième année, vous dites c'est curieux, ça me paraît un peu, ça me paraît un peu invraisemblable d'avoir une casquette de suprématie européenne et une casquette de suprématie de la Constitution française. Vous dites les deux logiques ne fonctionnent pas, en gros, qu'est-ce que c'est que ce désordre qui prend les oripeaux d'une organisation. C'est très bizarre. Et je dis ça parce que aujourd'hui, c'est précisément ce duel qui se joue constamment lorsque l'Europe parle d'état de droit. L'Europe, par le biais de ses juges, a façonné un état de droit au sommet duquel on trouve désormais le droit européen, c'est-à-dire le droit de la Cour de justice de l'Union européenne. Dernière actualité là-dessus, et je pense que vous n'êtes pas sans savoir, vu qu'il y a régulièrement des articles dans les journaux, dernière chose en date, c'est qu'en gros, depuis 5-6 ans, la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne parlait jamais d'état de droit, en parle tout le temps, puisque c'est sa façon de mettre à l'index les États de l'Est, donc Pologne, Hongrie notamment, mais pas les seuls. Hein. Malte a également des problèmes avec l'Union européenne, la Roumanie a des problèmes, donc je veux dire, on pourrait étendre le problème. Mais pourquoi est-ce que la Cour de justice a sorti l'état de droit de son chapeau il y a quelques années, alors qu'elle n'en parlait jamais directement? Parce que la Cour de justice de l'Union européenne dit la chose suivante, la Cour de justice de l'Union nous dit, je cite de mémoire, vous m'excuserez pour comment dire, je ne me rappelle plus exactement des termes, mais c'est très très frappant. La Cour de justice, dans ses derniers arrêts, dit que tout État qui ne respecte pas l'intégralité du droit de l'Union européenne, y compris la moindre de ses règles, est par nature contraire à l'état de droit. Ce qui veut dire que si vous n'acceptez pas, non pas exclusivement la question des droits individuels, mais la question de l'intégralité de toutes les règles issues et nées de l'Union européenne, vous n'êtes pas un état de droit. Ce qui veut dire que vous êtes concrètement le mouton noir absolu. Et surtout aujourd'hui, ça veut dire que vous n'avez plus, comme les pays de l'Est, droit aux fameuses aides post-Covid, puisque la Pologne et la Hongrie sont dans l'œil du cyclone. Si je dis ça, c'est parce que vous voyez que, sur cette question hiérarchique, la Cour de justice, elle dit désormais la chose suivante, c'est formel et c'est dit, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un état de droit. L'état de droit européen. Et j'ai envie de répondre à ça, je vais vite en besogne, mais tout ça veut dire que nous ne sommes plus des états de droit. Parce que ça veut concrètement dire qu'un état, la France, qui a à son sommet la Constitution, etc., et l'appliquerait contrairement, enfin en contradiction avec le droit de l'Union européenne, ne serait pas seulement en contradiction avec les règles européennes, mais serait par principe et par nature excommunié en sa qualité de non-état de droit. Puisqu'il n'y a plus qu'une version de l'état de droit, celle définie par la Cour de justice de l'Union européenne. Magnifique. Le problème, c'est qu'à côté de ça, donc ça c'est la doxa européenne actuelle, célébrée par la jurisprudence de la Cour de justice. Le problème, c'est qu'à côté de ça, qu'est-ce que disent les pays de l'Est? Ça c'est magnifique. Les pays de l'Est, j'étais en Pologne il y a 2 mois, je dirais, c'est passionnant de les entendre quand même. À Varsovie, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Grosso modo, ils m'ont tenu un discours qui est presque un discours gaulliste. En gros, je vais vite en besogne, mais Orban est une sorte de... Pas dans le style, on est d'accord, je le sais bien, mais Orban, sa position sur la suprématie du droit national est une position typiquement celle du gaullisme des années 50. C'est-à-dire, il ne fait que dire... mais ma Constitution est supérieure aux règles européennes. C'est tout ce qu'il dit. Or, cette vision de la suprématie de la Constitution est une vision qui est la définition naturelle de l'état de droit tel qu'on le définissait sous Kelsen. C'est-à-dire que c'est juste. La question n'est même pas de dire que c'est mieux. La question est de dire que c'est juste. Ça dépend juste de quelle perspective vous parlez. Et pour reprendre un dernier exemple très actuel, deux exemples, vous me permettez. J'ai eu l'occasion d'écrire dans le Figaro, là, je fais pas ma pub parce que j'ai eu l'occasion d'écrire pile là-dessus pour bien expliquer les idées et surtout l'architecture devenue folle de la question de l'état de droit. Je prends deux exemples. La question, premier exemple, la question du contrôle technique des motards. La question du contrôle technique des motards. Là, vous arrivez dans l'écheveau, dans la folie, dans Ubu au pays de l'état de droit. Ou plutôt, Ubu appelé Macron au pays de l'état de droit. Parce que Macron, Emmanuel Macron s'est fait avoir par son propre système. C'est assez drôle. Qu'est-ce qui s'est passé? On sort du Covid. Emmanuel Macron, mais c'est pas le seul, a compris que désormais, le masque... vivre voilé, c'est bien, vivre masqué, c'est moins bien. Je vais dire ça comme ça. On a compris que désormais, il fallait peut-être arrêter, il fallait tomber le masque. Donc, vu qu'on a tombé le masque, on va arrêter avec d'autres interdictions de ce type-là. Donc, abat les interdictions. Dans le cadre de ces interdictions qu'on abat, il a eu volonté de ne pas imposer le contrôle technique aux motards, qui est pourtant imposé par une règle européenne. Donc, le gouvernement a choisi volontairement, par le biais réglementaire, de ne pas imposer le contrôle technique. Sur ce, le juge administratif a été saisi par des associations écologistes en disant qu'il fallait un contrôle technique des motards, à la fois pour des questions d'environnement, pour des questions... Il y a notamment deux... Sur le volet environnemental, il y a un problème essentiel, c'est notamment une question de participation du public. En fait, pour toutes les questions environnementales, c'est une règle désormais constitutionnelle, il faut une participation du public. Bref, les écologistes, il faut les valoir que le public n'a pas participé à l'élaboration de la règle du gouvernement. Mais les écologistes se sont servis d'un autre argument. Ils ont dit, le problème c'est que le droit européen impose le contrôle technique. Donc, le Conseil d'État a annulé le décret du gouvernement, donc est allé à l'encontre de la volonté de Macron d'assouplir, on va dire, les restrictions à la française au nom de la supériorité du droit communautaire, du droit de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'in fine, l'obligation du contrôle technique résulte à la fois de la supériorité du droit de l'Union européenne, qui in fine s'appelle, selon la Cour de justice, l'état de droit. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus déroger aux règles européennes. À défaut, vous dérogez in fine à la supériorité du droit communautaire qui, selon la Cour de justice de l'Union européenne, s'appelle État de droit. Donc, je ne dis pas que c'est que l'État de droit vient dans la motivation des juges administratifs, mais in fine, c'est au nom de l'État de droit. De l'État de droit, c'est-à-dire du principe de primauté européen, qu'on en vient à être obligé d'appliquer le contrôle technique. Sinon, vous êtes contre le droit de l'Union européenne et vous êtes donc contre l'État de droit. Deuxième élément, Deuxième exemple que je voudrais donner, qui permet également de détricoter la question du pouvoir des juges. Aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, vous avez un débat qui fait rage sur les bonnes et les mauvaises jurisprudences. D'un côté, la CEDH nous dit, nous redit et nous redit que, concrètement, il faut avoir le droit de changer de sexe et de rechanger de sexe. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, validée par la Cour de cassation et désormais intégrée au Code civil. Alors, là, juste premier élément, et là-dessus, j'aime bien, j'ai trop peu tendance à avoir l'opportunité de le faire, mais je pense qu'il faut bien l'avoir à l'esprit. Le diable, dans la jurisprudence, ne se cache pas dans uniquement la règle telle qu'elle a l'air d'être. Il faut la comprendre dans sa globalité. Le diable, pour moi, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, n'est pas de pouvoir changer de sexe. C'est déjà un problème, pourquoi pas? C'est pas la question. Mais c'est de pouvoir changer et de rechanger de sexe. Parce que dans ce cas de figure, l'évolution finale, nous dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'en réalité, l'individu devient un gaz. Nous sommes liquides. La fameuse question de la liquidité se trouve là-dedans. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce que dit la jurisprudence? On peut devenir le contraire et également à nouveau le contraire du contraire. Il n'y a pas... C'est l'individu qui s'auto-construit. C'est la liquidité validée par la jurisprudence. Il n'y a aucune limite à la faculté pour l'homme de devenir ce qu'il souhaite être. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que souvent, quand les journaux en parlent, on dit « oui, on a validé la liberté de changer de sexe ». Et je rajoute « et de rechanger de sexe ». Parce que je pense que c'est là qu'on a vraiment une question fondamentale qui se pose dans la prise en compte de ce type de jurisprudence. Mais si je dis ça, c'est parce que de l'autre côté de l'Atlantique, on a pardon, un débat depuis maintenant 2 ans sur la jurisprudence conservatrice de la Cour suprême. Évidemment, ce diable de Donald Trump a réussi, durant son mandat, à nommer 3 juges conservateurs à la Cour suprême, faisant qu'aujourd'hui, la majorité des juges de la Cour suprême sont à dominante conservatrice. Là-dessus, là encore, la question de l'état de droit est fondamentale. Pourquoi ? Si vous prenez les derniers arrêts de la Cour suprême américaine sur la liberté de porter des armes à feu ou la question de l'avortement, et j'ai eu l'occasion d'être interrogé là-dessus, déjà, premier élément, personne ne va lire ces arrêts. Il faut être clair, c'est déjà un drame. En fait, en général, 2-3 jours plus tard, vous avez une batterie d'arrêts, d'articles dans les journaux, de Libé à l'Express, en passant par tout ce que vous voulez, qui va vous dire que c'est pas bien du tout comme jurisprudence, parce que ce sont des jurisprudences rétrogrades. Alors déjà, premier élément qu'il faut bien avoir à l'esprit, ce sont des jurisprudences extrêmement argumentées. C'est-à-dire que là, il faut être clair, un arrêt de la Cour suprême, c'est pas un bonbon, c'est pas un bonbon mal fabriqué du Conseil constitutionnel. Hein. Je veux dire, c'est pas une décision du dimanche soir écrite par un obscur greffier. Hein, d'accord, c'est 200 pages extrêmement argumentées. C'est des jurisprudences qui sont lourdes. C'est, je veux dire, je me suis tapé en entier les jurisprudences les récentes sur ces questions-là. C'est extrêmement, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. C'est assis sur l'histoire des États-Unis. Hein. C'est vraiment, c'est des superbes jurisprudences. Moi, j'avoue, c'est la lumière dans mon métier. Quoi. Je veux dire, quand vous avez une jurisprudence pareille, vous pouvez dormir tranquille après. Quoi. Vous vous sentez mieux. Là, on fait du droit. Quoi. Et je dis ça parce que du coup, il y a un sentiment d'antériorité jurisprudentielle aux États-Unis qui est très puissant. C'est des juges qui disent on va détricoter la jurisprudence américaine depuis 70 ans et on va voir ce qu'ils nous disent sur ces différentes problématiques. Ce n'est pas une évolution d'un coup, c'est bien une longue histoire qui est répertoriée dans des jurisprudences de 200 pages pour bien comprendre qui ils sont, d'où ils viennent et où est-ce qu'ils en sont arrivés. Je dis ça parce qu'un arrêt, une décision du Conseil constitutionnel chez nous, c'est 3 pages et demie. Hein, d'accord ? Un arrêt de la Cour suprême, c'est 200 pages. Donc je sais qu'on n'est pas payé au poids, mais au bout d'un moment, c'est pas la même chose. Premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on dit les juges de la Cour suprême ? Ils sont pas revenus en arrière, comme on l'a dit, pour des motifs anti-progressistes ou précisément anti-libéraux. Ce n'est pas le débat. Les juges de la Cour suprême se sont placés sur une échelle que les juristes ont oubliée. C'est l'échelle de la mesure, de la précaution, de ce qu'ils appellent chez eux le self-restraint, c'est-à-dire la capacité de modérer le propre rapport à leur jurisprudence, de se rendre compte qu'ils ne sont pas les dieux sur terre à fabriquer du droit par le biais de leur jurisprudence. C'est ça l'ADN des juges conservateurs de la Cour suprême. C'est de dire, s'ils sont contre l'avortement, s'ils sont contre telle ou telle question progressiste, on va dire, c'est pas parce qu'ils sont contre pour des questions, ou en tout cas pas exclusivement idéologiques, c'est parce qu'ils sont précautionneux dans leur rapport au pouvoir de leur jurisprudence. Ils se rendent compte que la jurisprudence a une importance fondamentale. Il faut bien comprendre que l'objectif d'un juge, c'est de se modérer. C'est de ne pas devenir un militant. Pas être un militant. Donc, là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on prend calmement connaissance de cette jurisprudence, elle est d'une part fondée sur l'antériorité du droit, donc elle est précautionneuse, premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qu'elle rappelle? Elle rappelle, et c'est le fond de l'affaire, cette jurisprudence rappelait que les juges ne doivent pas avoir comme mission de modifier par leur jurisprudence les contours de notre vie sociale. Ce qui veut dire que, notamment les questions sociétales, notamment les questions d'avortement, notamment les questions d'armes à feu, notamment les questions, on va dire, le droit LGBT au sens large, LGBTQIA+, comme on dit, pour l'instant, la Cour suprême dit, je ne peux pas, c'est pas à moi de dire si c'est bien ou mal. C'est aux représentants élus par le peuple, c'est-à-dire aux gouverneurs et aux chambres des États fédérés, qui sont élus. Ce qui veut dire que la Cour suprême ne joue pas exclusivement un rôle conservateur au sens des mœurs. Elle rappelle que la démocratie prime sur la question judiciaire et juridique, qu'en réalité, il faut laisser aux représentants élus le soin de trancher ces questions. Ce n'est pas à elle de le faire. Et là où on aboutit, c'est passionnant, on aboutit en réalité par cette jurisprudence au duel fondamental. D'un côté, l'état de droit, c'est la victoire de la norme, de la règle et du juge comme interprète. De l'autre côté, c'est la démocratie qui prime, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. On a tendance à penser, je ne vous cache pas que je suis pessimiste, on a tendance à penser que état de droit et démocratie sont pas synonymes, mais sont voisins, sont cousins. Si vous prenez le traité sur l'Union européenne est incapable de définir l'état de droit, on s'en doute puisque l'objectif c'est de l'étendre au maximum, comme ça le juge gagne et les peuples perdent. Je vais vite, mais c'est globalement comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que fait le traité sur l'Union européenne? Il définit l'état de droit en faisant référence à une batterie de concepts soi-disant voisins. Il mélange le pluralisme des partis politiques, il mélange liberté d'expression, il mélange protection des minorités, il mélange protection de la diversité, il fait référence à tout un écheveau de valeurs. Et il fait en passant, hein, parmi les autres, hein, il y a la démocratie. Bon, déjà, on peut s'interroger sur le fait de mettre la démocratie au même niveau que la protection des minorités. Démocratie qui a 2000 ans d'âge. Enfin bon, admettons, pourquoi pas. Là où je voulais en terminer, parce que je pense que c'est le duel à mort qui se joue, c'est qu'on a limité la démocratie à une valeur de l'état de droit. En réalité, la démocratie est désormais le subalterne de l'état de droit. Donc, l'état de droit est supérieur à la démocratie, qui est une valeur parmi d'autres, qui constitue un pilier parmi d'autres, qui constitue une notion parmi d'autres, englobée dans la religion de l'état de droit. Deuxième chose, j'aime beaucoup cet aphorisme de Nicolas Gomez Davila, qui aujourd'hui, dont on se rend compte souvent de la pertinence, d'autant dans les milieux juridiques, je trouve, d'autant plus. J'aime beaucoup cet aphorisme que je cite dans mon bouquin. Je trouve que l'état de droit est ce qu'il appelait, ce qu'il disait lui-même quand il dit que qu'on appelle neutre se contente d'imposer sans afficher ses motivations. La neutralité axiologique fondamentale. L'état de droit est pour moi précisément ça. C'est un instrument qui a cette faculté, cette neutralité apparente, qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que ça recouvre. On ne sait plus. Je vous disais, si vous prenez le traité sur l'Union européenne, l'article 2, vous avez l'état de droit qui est défini par une batterie de règles, dont la démocratie. Cette neutralité apparente de l'état de droit fait que, 1, on n'y comprend rien, 2, on a 8 définitions, et 3, on peut mettre, comme un petit train, vous voyez, toujours plus de droits individuels derrière la notion d'état de droit. Mais troisième élément, et j'en finirai avec cela, parce que c'est, encore une fois, pour moi, c'est le duel. Je ne pense pas que la démocratie soit exclusivement un subalterne de l'état de droit. Je pense que l'état de droit signe la mort de la démocratie. Je pense que l'un gagnera ou l'autre, mais pas les deux ensemble. C'est une folie de considérer que l'état de droit puisse coexister. L'état de droit, fondamentalement, c'est la victoire du technologique, c'est la victoire de la règle, c'est-à-dire c'est la victoire de la médiation. Je suis avocat, mon métier est de faire parler des règles de la façon la plus ubuesque possible. Je m'étonne moi-même. De temps en temps, on obtient un jugement, on regarde, on se dit « suis-je vraiment fier de ce que j'obtiens ?» Je ne le sais guère. Il n'empêche, je fais parler les règles, avec cette technique juridique qui est à la fois fascinante, obscure, et qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est parfois fascinante. Le problème, c'est qu'on ne peut pas à la fois, à mon sens, se faire la victoire ou le chantre de la technicité de la règle, de la norme, c'est-à-dire de l'interprétation et de la technicité. On ne peut pas à la fois se faire le chantre de cela et en même temps se faire le chantre du caractère primitif de la légitimité, de l'élection. Ce n'est pas possible. Parce que d'un côté, c'est la victoire de la médiation, c'est-à-dire de ce qui coupe les hommes de rapport à leur pouvoir, fondamentalement. L'état de droit est une machine à médiation, une machine à règles, à interprétation. De l'autre côté, la démocratie n'est rien de plus que l'expression directe du peuple, par le jeu d'instruments grégaires, comme la consultation populaire et comme le référendum. Le référendum n'est pas uniquement l'impasse de l'état de droit. Le référendum est l'ennemi de l'état de droit. La victoire de l'état de droit signifie la mort du référendum. Raison pour laquelle le référendum de 2005 est le dernier en date. On ne peut pas se faire le chantre de la victoire des juges et à la fois le chantre de la victoire populaire. Ce n'est pas possible. Et à mon avis, à terme, ce duel qui se joue et qui commence, il n'y aura qu'un seul vainqueur des deux. Pour l'heure, évidemment, on a bien vu de quel côté ça balançait. C'est plutôt triste et relativement tragique. Mais le pire surtout, c'est que ça se fait dans les prétoires et sous l'œil assez obscur de règles qu'on comprend mal et de décisions qu'on connaît peu. Voilà. Donc, j'espère avoir un peu clarifié ces définitions. Je précise que j'ai essayé dans mon bouquin, encore une fois, je fais de la promo, mais ce n'est pas le débat, hein, c'est que je finirai avec ça. Je pense que l'un des problèmes de parler d'état de droit, c'est que souvent, on se dit, le droit, c'est incompréhensible. Et j'ai essayé également, à mon niveau, de rendre les choses simples, un minimum, tout en disant, on peut aller vers du technique, mais en tentant de le rendre relativement accessible. Parce que le jeu, à mon avis aussi, de l'obscurité, permet chaque jour de renforcer une victoire dans l'ombre de ceux qui sont les sachants ou les prétendus sachants. C'est aussi une victoire d'une forme d'habileté. Donc, simplifier, là, à mon avis, jamais ne peut avoir que des mérites. Et c'est la seule chose que j'ai essayé de faire. Voilà. Je vous remercie et la parole...